blague, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, Universal, qu'on est prêt, j'ai mon petit chapeau de nuit. Et aujourd'hui, moi et Matt, Matt et moi en fait, on match. Oui. On a dessiné nos gilets de recrassi. Pourquoi Matt? Rar. Profiter avec Jurassic Park. Ça va être super malade, comme les autres vlogs, on va vous montrer notre journée, puis après ça, on va faire un petit résumé de ce qu'on a fait. Donc, bon, là. To one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. Let's go. Baby, I was born to fight. I'm tired of being self down a lonely road. I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, yeah, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't pick up on the phone rings, too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going. Cause I know you got my back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter, they can say that I'm a sinner. Cause they love to hate the thank you.
Brian. This is your last warning, insects. Relinquish what remains of the old spark. Or suffer the rest of Megatron. Aujourd'hui, c'était la journée à Universal Studios où on faisait les deux parcs en une journée. Ouais. Puis on avait acheté les Express Pass qu'on va vous en parler dans quelques instants. Fait bon. Que dans le fond, vas-y. Ouais, non. Mais c'est ça, pour les Express Pass, ça dépend quel moment est, là, mais en gros, on a toujours attendu pareil. Comme c'est comme on disait, soit à place d'attendre une heure, on attendait comme une demi-heure. Ça coupe le temps d'attendre de moitié, mettons, à chaque manège. On savait que notre file allait plus vite, mais c'est comme si, genre, Universal, ils avaient comme pas restreint leur nombre de passes express, puis genre, il y avait comme... C'est que vraiment beaucoup de monde, justement, qui le prenait, là. Mais somme toute, ça s'est bien passé. On a quand même fait. Il y avait juste deux manèges qu'on n'a pas fait, mais
moi, j'étais plus capable, là, mes pieds étaient finis. Là. Pour ceux qui nous suivent sur, Instagram, je me suis fait un masque de pieds hier avant de me coucher. Puis même ça, les pieds maganés. Ouais, c'est comme si, tu sais, là, je parlais des crocs justement, là. Mais c'est comme si à cause des crocs, j'ai l'impression que, vu que j'ai pas mis la gants en arrière, ça a comme brûlé mon tour de pied. Mm-hmm. Mais il était vraiment brûlé, là, comme un coup de soleil. Genre, il était rouge jusque sur le côté, là, de chaque pied, là. Ouais. C'était rouge feu hier. Ouais, puis c'est ça, puis là aujourd'hui on a fait, en avant-midi on a fait comme une heure de, ben le truc de Popeye là. Le troisième manège qu'on a fait, puis on est sorti de là détrempé. Ouais, puis c'est ça, puis là finalement ben l'eau est rentrée dans mes souliers, mais à le dos. Mm-hmm. Puis là ben je les ai gardés, mais là finalement tu sais j'ai gardé ça toute la journée, que ça a fait comme si tu sais qu'on reste dans un bain vraiment longtemps, là, que ça les a tout ratatinés, que on a payé pour le séchoir, le sèche-personne. Le 5$ le moins bien investi de ma vie, sérieusement, faites pas ça. Quelqu'un qui vous souffle dans la face pendant 5 minutes de temps va avoir autant d'effet que ça. Sérieusement, tu sais, j'exagère un peu, là. Oui, ça a enlevé le plus gros, mais on est sorti de là très humide quand même. Oh oui, non. Puis tu sais, même moi avec mon gilet blanc, là, on voyait à travers, je pense, ça. Non, c'était pas l'idéal, mais c'est pas. On a passé à autre chose. On présente d'aller à Jurassic Park. Ouais. On a voulu faire les Vélociraptors, mais ça, l'Express Pass, ça marchait pas. Que tu sais, déjà là, encore là, c'est un autre coche qui est agressé. Ouais. Puis finalement, le manège, il marchait pas. Fait que là, on est allé faire. Ben, dans le fond, on est passé devant Jurassic Park normal. Le manège était en delay. Fait qu'on s'est dit, ah ben, crime, on va aller faire les Vélociraptors de l'autre bord. On arrive là, 65 minutes d'attente. On se dit, bon, ben, crime, on va s'asseoir puis on va checker les autres options. Pendant qu'on s'assoit, le manège, il break down. Fait que là, on se dit, bon, mais Colin, on va dîner finalement. Ouais, fait qu'on a dîné au Research Center de Jurassic Park. Ça, c'était quand même cool. Nice, l'ambiance était nice. Après ça, on est allé faire le manège de River Jurassic Park. Ça, j'ai vraiment aimé ça, pour vrai. Ouais. Mais c'est pas comme je pensais, parce que c'était vraiment, c'est comme tu dis, c'est exactement, c'est Jurassic Park et non pas Jurassic World. Ouais. Parce que, tu sais, il manquait comme, c'est le gros dinosaure qui était dans l'eau, ça j'avais vu qu'il y avait ça, mais je pense que c'était la Californie. Ouais, on a vu Universal California, on a vu le vidéo de Jurassic Park justement, puis c'était pas du tout la même affaire. Non. Mais moi je l'ai trouvé plus court que dans mes souvenirs. Ouais, mais c'était le fun, t'sais, on se faisait rouler. C'était plaisant, beau, oui. Puis genre, c'est ça, là, c'était, moi c'était un genre de ride que j'aimais beaucoup. Ouais, sinon on a fait aussi, bien. En début on a fait Hulk. Ouais. Ça, j'ai vraiment moins aimé. Parce que, tu sais, on a comme commencé avec ça aussi. Là, oui. Mais... Matt, il voulait. Oui. C'est correct aussi, là. Mais c'est tu sais, on fait des loops. Puis, genre. Puis, je le sais que j'ai un surplus de poids, là. Mais, genre, au point tel que je suis pas capable de m'asseoir dans un chien, je me dis, crème, mais il y a du monde pire que moi, là. Puis, c'est ça, j'avais de la misère. Là, mes hanches, ils rentraient pas au complet. J'ai rentré pareil, mais tu sais, c'était comme vraiment pas confortable. Puis tu sais, on a eu d'autres, le manège de même, qui est. Dans les comparaisons, Universal puis Disney, là, Disney, on n'a jamais eu de misère à rentrer dans les sièges, on a toujours été correct. Genre. Mm-hmm. En tout cas. Puis tu sais, on n'est pas, je veux dire, tu sais, on n'est pas les pires, là. Je veux dire, non, en tout cas. Sinon, on a fait Kong Skull Island aussi. Très ça, cool. C'était nice pour vrai, là. Ouais. Ouais, il y avait des dinosaures, il y avait de l'action des deux bords, puis... Ah non, c'était hot. C'était... Ouais, non. Très, très hot. Très nice. On a fait ça, après ça... Là, on est tombé dans Jurassic Park. On était retourné voir les Vélociraptors, encore breakdown, à cause que pendant qu'on faisait le Jurassic Park River, j'ai reçu la notification que le Vélociraptor était de retour. Et j'étais comme, bon, mais Colin, peut-être qu'on va être bon pour le faire, puis finalement... Pouette-pouette, on arrive là, encore breakdown. Fait qu'on n'a pas fait ça. Non, on s'est dirigé vers Harry Potter. Oui. Ça, c'était vraiment, mais vraiment nice. Vrai, là, on se sent sur place. Tout est méticuleusement mis en place. Pour vrai, là, c'est... Très, très hot. Sérieusement. Il y a eu des chants de chorale avec des crapauds. J'ai pas été capable de les prendre en vidéo, là, mais c'était vraiment nice. La ride d'Harry Potter... Forbidden Journey, je crois, celui dans le château. Tu sais,
T'sais, là, on commençait à avoir mal au cœur, là, pour vrai, à la fin. Elle brosse pas mal. Ouais. T'sais, on touche pas par terre. Puis, t'sais, on est arrangé de quatre, là. Puis là, c'est ouais. Ça revient de même, puis de même. Puis, genre, t'sais, y a comme pas le chemin préétabli. Je me souvenais de l'avoir fait l'année qui a ouvert, ça. Puis c'était comme le début de Harry Potter à Universal. Mes frères peuvent en témoigner. Et moi, j'ai fait la ride au complet dans un banc qui avait du vomi dessus. Vrai? Ça, j'ai pas voulu te le dire aujourd'hui. Hé, j'étais même pas au courant. J'étais genre, ah, c'est mouillé, c'est bien déplaisant. Ah. Puis quand je me suis levé, j'ai vu que c'était comme pas de la couleur de l'eau, c'était pas le fun. Ah, vois que tu m'as pas dit ça. Ah, ouais. Oh, je l'aurais même pas fait en plus. Ouais. Ah. Avoue que ça t'aurait levé le cœur encore plus. Ah, ouais. Ouais, non. Ah, ouais. C'est ça. C'était vraiment pas plaisant. Mais ça, c'est way back when. Fait que ouais. Ça a changé. Aujourd'hui, pas de vomi dans le bain. Mais nous autres, on a passé proche de l'enfer. Ah, oui. Puis c'est ça, une chance qu'il y avait le Griffon d'or. Ouais, il y avait Flight of the Hippogriff à côté. Breakdown, ça aussi. Ouais. Fait qu'on l'a pas fait. C'est ça. Puis, mais une chance, parce que moi, je pense pas que je l'aurais fait justement à cause que. À cause qu'on était magané de l'estomac en sortant de là. Puis, tu sais, moi, j'avais vraiment la misère à marcher aujourd'hui, là, que mes poids étaient vraiment comptés, là, qu'on a essayé de limiter la quantité de pas qu'on faisait. On a arrêté beaucoup, là. Après ça, on s'est rafraîchi avec une botte de bière. Que... Hey, ça, là, pour vrai, j'en prendrais n'importe quel. C'est comme, on dirait comme tu disais, le butterscotch, une slush butterscotch, genre. Ouais. De quoi de même, là? C'est ça, c'était essentiellement ça. C'est pas trop sucré non plus, c'était vraiment bien vraiment équilibré. Bien. Non, on l'a bien aimé. On a pris le train aussi pour se rendre à l'autre parc. Oui, le Hogwarts Express. C'était vraiment nice. C'était vraiment il y avait genre cool. Tous les personnages qui étaient dedans. Ouais. Puis genre, il y a les feux d'artifice, des frères Weasley. Puis, puis aussi, avant qu'on parte du premier parc. On a acheté une baguette magique. Oui. Celle de Hermione, qui est très belle, by the way. Oui, parce qu'on a choisi selon la baguette et non pas selon le propriétaire. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Exact. On a puis, nice. Dans le fond, dans les deux parcs, t'as comme des points que il faut que tu. J'allais dire, il faut que tu wave. Faut que tu. Ben, ouais. Non, mais là. Ouais. On parle en français. Faut que tu mettes. Ta magie, ta baguette d'une certaine façon pour que ça débloque comme un spectacle. Ouais, c'est ça, ça fait quelque chose. Là, comme mettons, il y a une place où il faut faire un Wingardium Leviosa, puis il y a une plume qui lève. Ouais. Ou bien il y a une place où il faut faire un Incendio, puis là, ben, il y a plein de lumières qui allument. Ouais. Ou, c'est ça. Plein de choses comme ça, c'est vraiment cool. Tu sais, il avait les deux parcs. Le premier parc, on n'a pas fait vraiment. Parce que j'étais morte, là, puis on voulait avancer dans notre journée, back, ouais. Puis c'est ça, puis dans le deuxième, on les a toutes faites, dans le chemin. Puis on a même été capable avant de partir, de vous filmer le dragon. Ça, à chaque 10 minutes, il passe. Puis là, on a fait aussi, entre-temps, la banque, là, avec Escape from Gringotts. Ouais. Ouais. Manège très cool. Partie un peu moins plaisante, en tout cas... Je sais pas si ça va tout être les messieurs qui vont avoir la même situation. J'avais les cuisses pas mal serrées, mettons. Genre, vraiment trop, au point tel où ce qu'il y a comme mal. C'est ça. Mais c'est ça, parce que la fois comment on était assis, c'est comme si on était les genoux remontés. Ouais. Que c'était comme vraiment bizarre, mais c'était vraiment nice par contre. On est encore là. Tous les personnages qui étaient là, on se promenait dans le banc, il y avait... Puis comme avec les vrais acteurs, là. Oui, c'est ça. Il y a Voldemort, Bellatrix Lestrange, Harry, mais Hermione, c'est ça qui est nice, parce qu'avec Universal, comme à Disney, ben Universal, ils ont toujours les vrais acteurs. Oui. Tandis que Disney, c'est souvent du monde qui vont ressembler à l'acteur. Oui, c'est ça. Comme dans Fast and Furious, où on voit tous les acteurs, toute la famille. Oui. C'est ça. Puis après Harry Potter, c'est ça, on a descendu, on a fait Fast and Furious. On a fait Men in Black. Ah, oh, c'est vrai, on a fait Men in Black. Ouais. Puis c'est ça, après ça, on est monté pour terminer. Ouais, là, après ça, on a fait Fast and Furious, on a fait Terminator. Puis là. Non. Oui. Non, moi j'ai pas vu Terminator. Transformers. Excusez.
Mais ouais, ça, puis après ça, tu sais, là, que notre aventure s'est terminée. Il nous restait encore sur notre liste les mignons, puis aussi. Puis le Rocket, mais il était rendu tard, puis on voulait aller souper, puis partir. Ouais. Puis moi, je me suis portée plus pour vrai, là. Je vous les montrerai même pas mes pieds parce que c'est vraiment dégueulasse pour vrai. Ok, non, c'est ça. On est allé au Hard Rock Café, puis on a pu s'en relaxer, puis pour vrai, service. A1. Pour vrai. Ouais. Ils se sont trompés dans mon nachos, puis à place de me dire, genre. Eh ben, on va te. Parce que dans le fond, ils ont mis du poulet. Puis après, ils vont me dire, ben, quand on te le laisse dans le main, ils en ont recommandé un autre. Ouais. Puis on avait deux nachos pour le prix d'un. C'est pas quelque chose qu'on aurait fait à Québec maintenant. Puis, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on est revenu. Puis, en gros, j'ai bien aimé ma journée. Oui. J'ai adoré les manèges qu'on a fait. J'ai adoré aussi, tu sais, tout l'univers d'Harry Potter. Mais, tu sais, pour tout le côté prix et tout, j'aurais pas pris nécessairement les fast-pass. Ouais. Coupe de déception de la journée, là. Dans le fond, les express-pass vaut peut-être pas tant la peine. Tu sais, je regarderais ça l'application, le temps de durée de chacun, puis genre, tu sais, j'ai pris quand il serait moins de temps. Parce qu'il y a moyen de pogner des manèges à genre une demi-heure d'attente, puis ça revient au même de prendre les express-pass ou pas, fait rendu là, ça vaut pas la peine de payer ce prix-là. Sinon, si vous voulez aller à Universal, pactez léger. Ouais, c'est vrai. Ça. C'est de quoi que j'avais aucun souvenir parce que, ben, veux pas, quand que moi j'y suis allé la dernière fois, je n'étais encore qu'un adolescent. Fait que j'avais pas grand-chose à traîner à part mes bottines. Il y a beaucoup de manèges où on est exigé d'aller porter nos choses dans un casier. Puis là, le sac, de la façon qu'il est pacté avec les deux bouteilles d'eau de chaque côté, les fans, un casier, c'est pas assez. Fait que là, il faut comme splitter le sac dans les deux cases. Puis là, c'est vraiment la crise de merde. Tandis qu'à Disney, si c'est trop, ben ceux qu'on les met à côté de nous, on les met juste l'autre bord quand on va débarquer. C'est sûr. C'est comme mieux pensé, je trouve, Disney. Puis même Disney avec les Express Pass, je pense qu'ils vendent autant qu'à Universal. C'est juste qu'avec les heures qu'ils nous donnent, ben, tu sais, il y a moins de monde. C'est mieux fait. Pis sinon, c'était quoi je voulais rajouter? Je voulais rajouter quelque chose, puis je me suis. Ben, il y a les bancs aussi, genre que c'est pas adapté à. T'sais, ouais, ils sont. Il y a pas de diversité des bancs. Si ça me revient au pire, j'en reparlerai. Il n'y a pas eu beaucoup non plus de place pour remplir nos bouteilles d'eau. Ça, entre autres. Puis l'autre affaire que je voulais dire aussi, c'est que nous autres, on n'a pas été capable de scanner nos billets dans nos téléphones. Fait que là, il fallait tout le temps traîner 4 petits coupons papier, puis faire attention de ne pas les mouiller, puis les traîner, puis les avoir aux bonnes places au bon moment. Parce que là, justement, pour faire la location de casier, ça te prenait ta passe de parc. Pour faire l'express pass, ben, ça te prenait ta express pass. Puis là, pour faire le train, ça te prenait ta passe autant de parc que ta passe express. Puis là, ça devient. Tu sais. C'est de quoi qui est vraiment beaucoup réfléchi à Walt Disney où ce que t'as une montre, t'as un bracelet, t'as un téléphone. Tout est dedans. Tu fais juste le taper sur le côté. C'est fait, c'est beau, tu passes. Autant, tu sais, ma Apple Watch que mon téléphone, que le bracelet qu'on a. C'est notre carte d'hôtel en ce moment. Genre, les trois, là, ils peuvent faire toute la même chose. C'est sûr. Puis, tu sais, on a l'option aussi, tandis que l'autre, c'était vraiment limité. Puis, c'était comme. En plus, juste pour vous donner une idée, on a fait un manège avec de l'eau. Ben là, tous nos billets, puis tout, ben il fallait les laisser dans le sac, parce que sinon, avec notre linge, on allait les mouiller. Oui, dans nos poches. Il fallait attendre de les sécher. En tout cas, c'était. Mettons que c'était pas idéal, il y a des choses à repenser, mais. Il y a pire dans la vie, là. Oui, oui, mais... puis tu sais, on a eu du fun aujourd'hui, là. Tu sais, c'était des super beaux manèges, puis moi, tu sais, je le referais, là. Pas aujourd'hui, pas demain. Non, c'est ça. Une journée, c'est assez. Ouais. Ouais. C'est ça que je veux dire. Non, je suis d'accord. Okay, c'est ça. Mais on a vraiment aimé notre journée, là, même si on termine sur un ton de chialage. Oui, ben oui. Mais je pense que on a eu des beaux moments, puis des drôles de moments aussi qu'on a eu, que pour vrai,
Genre, on espère secrètement qu'il y ait une madame qui s'est faite sacrer dehors du parc. Parce que justement, pas grave ça. Pendant qu'on faisait le Jurassic Park River Run, ils avertissent bien clairement au début, tous les téléphones, les tablettes, les appareils photos doivent rester dans vos poches. Fait que là, aussitôt qu'on quitte l'espèce de chose d'embarquement, la madame en avant sort son sel, ben elle se met à filmer. Mais comme on le voit à travers le manège, qu'il y a des caméras partout qui te regardent, puis là, au moment où on passe les portes de Jurassic Park, on entend « La madame en avant, serrez votre téléphone, s'il vous plaît, serrez votre téléphone. » Puis là, on rentre, puis là, on fait le manège, puis là, il y a un moment où c'est comme un peu plus scary, dans le noir, on entend encore « La madame en avant, serrez votre téléphone, s'il vous plaît. » Ça a comme brisé un peu le moment. Ça scrappe le moment, hein, Jésus, là. Puis là, en plus, il était marqué, genre, on avait lu à Cogne, genre, avant, qui était marqué, que, genre, si il y a trop d'avertissements, mais il y a une expulsion du parc qui peut être faite. Genre, en tout cas, j'espère qu'elle, là, elle mériterait, là, mettons. Oh, ouais. Allez, assez pour aujourd'hui. Ouais, que nous, on va se coucher, puis demain, c'est Hollywood Studios. Star Wars, demain. Ouais, que c'est ça. J'ai bien hâte. Moi aussi. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis j'espère que vous allez bien. On vous souhaite une bonne nuit encore une fois, une bonne journée. Puis à demain! À demain, bye bye! Bye!